Les cartes d'action sont reconnaissables par leur haut de carte bleu-vert et par leur symbole représentant deux triangles opposés. Pour exécuter une carte d'action, le minion actif doit locker et mettre face ouverte sur la table la carte d'action en question. Les cartes d'action sont jouables par les vampires ou par les alliés lors de la minion phase. Il est à noter que le coût d'une carte d'action ne sera payé que si l'action est réussie et n'est pas bloquée. Les actions provenant des cartes d'action sont d'ordre général à 0 stealth. Si cela n'est pas le cas, une indication en gras en haut de la boîte de texte nous en informera. Finalement, certaines cartes indiquent qu'elles doivent être mises en jeu. Alors, si l'action est réussie, la carte doit être mise sur la table dans l'espace personnel du Methuselah. Si aucune indication n'ordonne de mettre la carte en jeu, elle se retrouvera dans la défausse après avoir appliqué ses effets.